Votre Majesté, il me revient, après ces longues années de guerre avec l'Espagne, de veiller à tout prix à maintenir la paix. Nous pensons pour cela que votre mariage avec votre cousine Germaine, la fille de Philippe V, le roi d'Espagne, donnerait à la relation entre nos deux pays un tour apaisé. Ma chère fille, vous voilà désormais reine de France. Quant à vous, mon fils, nous allons vous marier à Louise-Élisabeth d'Orléans. Je ne veux pas y aller, monsieur. Vous irez. J'ai assez intrigué pour y parvenir. Les princesses sont faites pour être mariées et perpétuer une dynastie. Je suis charmée que vous ayez fait bon voyage. Vous ne mangez pas, madame? Vous pouvez manger avec les doigts si vous le souhaitez. Hein. Je me souviens que l'on ne procédait pas autrement à Versailles. C'est l'avenir de l'Europe qui se joue ici. Le roi d'Espagne peut être imprévisible. Que disent exactement nos espions? Votre fille s'acclimate difficilement en Espagne. Le contraire m'aurait étonné. Non! J'aurais été un roi pathétique, lâche. Je crois qu'il est urgent d'assurer votre descendance. Je crains que l'enfant soit inadapté pour un tel emploi. Jamais vous n'approcherez cet enfant. Mais vous m'aimez, n'est-ce pas?